Charlotte. Bonjour Bob. Vous venez de sortir « Sang de lune » aux éditions Gulfstream. Un gros roman, vous avez une actualité qui est absolument florissante, on en parlait tout à l'heure avant de débuter cette interview, mais on va se contenter de celui-là. Quel est le pitch de ce roman, quelques mots ? En fait, c'est un roman qui se passe dans un monde souterrain, où les femmes sont considérées comme des esclaves, et en fait, où la violence est complètement intégrée. Et en fait, on suit l'émancipation de deux sœurs qui vont fuir. Donc c'est quand même une société où les femmes sont lapidées, où les femmes n'ont pas le droit de parler. Wow. Alors je me suis quand même fondée sur essentiellement pour la petite anecdote, parce que je voulais pas être trop connotée non plus sur toutes les citations sont tirées de l'essai sur les femmes de Schopenhauer. D'accord. Voilà. Mais c'est vraiment une lutte pour la liberté et l'émancipation. Ça fait écho à l'actualité ou ça n'a rien à voir? C'est complètement déconnecté de ce qui se passe. Non, ça fait écho à l'actualité, mais aussi j'ai envie de dire à l'actualité la brûlante, puisque on a quand même un président des États-Unis qui explique que quand on bat sa femme, c'est bien, que l'avortement c'est mal, et que d'ailleurs les femmes elles sont là pour se taire. C'est donc top, je pense ça. Que c'est assez universel finalement. Ah oui, en effet, oui. Voilà. Alors c'est dans quelle catégorie vous classez ça? C'est de la science-fiction, c'est du roman heroic fantasy, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la dystopie, c'est-à-dire qu'à un moment donc une société post-apo qui déraille. Voilà. D'accord, donc, c'est le style de ce roman. Dystopie, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un site, par ailleurs, sur lequel on peut suivre votre florissante actualité? Alors, j'ai mon blog, parce que mon site n'est pas du tout à jour. Mon blog sur Blogspot, hein, Charlotte Bousquet, sur blogspot.com. Voilà. Ben voilà, c'est noté. On est au Salon du Livre du Touquet. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui arrive, donc je vous rends à votre lectorat. Merci, Charlotte. Merci.